Avec Julia qui va venir nous retrouver. Julia, vous nous emmenez à Ankara parce que... Ankara, initiative assez étonnante des éboueurs turcs qui ont créé une bibliothèque à partir des livres qu'ils ramassaient. Vous avez trouvé ça sur le web, vous. Et j'ai trouvé ça sur le web. Bah oui, mais ça, c'est la magie du web. Il y a du bon, il faudra que je m'y mette un jour. Et quand on trouve des belles choses, et ben, ça marche bien. C'est les éboueurs du quartier d'affaires d'Ankara qui ont collecté depuis plusieurs mois des livres jetés aux heures dures et ils les ont disposés dans une bibliothèque qui est aujourd'hui ouverte au public. Regardez, pendant 7 mois... Ça marche pas bien notre liaison, mais bon, écoutez... Ah, vous voyez pas, vous voyez que moi, en fait. Bon, finalement, c'est peut-être l'essentiel, je sais pas. En tout cas, en 7 mois, ils ont récolté 5000 livres. C'est énorme. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose à voir, à part une magnifique bibliothèque. Je peux vous faire du commentaire d'image, si vous voulez. Des éboueurs qui ramassent des livres et qui ont réussi à faire une très belle J'espère simplement qu'ils n'iront pas en prison pour avoir fait un acte culturel. Bah écoutez, en tout cas, ça a été beaucoup plébiscité sur Internet par les internautes et on en parle beaucoup. Et l'idée aussi, ce serait peut-être de développer cette initiative au-delà des frontières de la Turquie.